Saviez-vous que les formes influencent notre perception des choses qui nous entourent? Saviez-vous qu'elles permettent aux designers d'envoyer des émotions, des signaux bien précis de manière non verbale? On parle souvent de langage des formes ou de psychologie des formes. En graphisme, lorsque l'on crée une identité visuelle, un motion design ou un web design par exemple, on pense à faire attention aux couleurs et aux typographies que l'on utilise. Mais en termes de symbolique, il faut savoir que ce ne sont pas les seuls éléments importants à prendre en compte. En effet, utiliser des formes et ne pas comprendre leur signification peut entraîner auprès de votre audience, de vos clients ou des personnes qui regardent votre création, une incompréhension et un message totalement contradictoire à celui que vous voulez faire passer. D'ailleurs, saviez-vous qu'au même titre que pour la couleur, derrière chaque forme, chaque symbole, se cache une signification qui a le pouvoir de nous influencer et d'évoquer en nous un sentiment bien précis. Bien que leur interprétation et leur sens soient subjectifs en fonction de la culture et du ressenti de chaque personne, elles peuvent avoir des connotations aussi bien positives que négatives, tout aussi impactantes les unes que les autres. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Damien et je suis responsable de la direction artistique du collectif Steamate. J'exerce la profession de designer graphique depuis 15 ans, j'interviens en tant que mentor sur les parcours pro tuto.com et je suis formateur certifié sur cette plateforme. Je suis également professeur en digital design en école de communication. Mes 10 ans d'expérience en création de contenu digital m'ont permis de répondre en vidéo à des réelles problématiques métiers que vous pouvez retrouver dans mon catalogue de formation. Ce cours est une suite logique aux 3 précédentes formations sur les thèmes de la typographie, des règles de base de la composition graphique et de l'influence psychologique des couleurs. Tout apprécié de la communauté, ces dernières ont reçu des commentaires et des évaluations très positives. Je vous les recommande donc vivement. Je vous retrouve tout de suite dans ce nouveau chapitre.